Benjamin, pour un test, donc Nantes-Port-Maritime, est-ce que tu me reçois? Oui, je te reçois, Nantes-Port-Maritime. Tu peux me faire le contrôle, s'il te plaît? 56. Ok, merci, je change d'antenne. Ah, t'es monté à 57, là, dernier passage 57. Donc là, 16 cm à peu près, je passe avec la 8, 8 cm. Antenne du TYT d'origine. Oui, Benjamin, là, tu peux me faire un contrôle, s'il te plaît? Alors, 56, et par moment, t'as le 7 qui s'allume. Ok, merci, je change d'antenne. Je change d'antenne. Antenne télescopique, tout à l'heure, avec le même réglage. Donc, l'AL800, donc antenne télescopique VHF-UHF, qui ne sert bien sûr sur cet appareil qu'on eut. Voilà. Là, je suis avec la télescopique, tu peux me faire un contrôle, s'il te plaît? 57. Ok, merci. Je vais changer d'antenne, je vais reprendre de la Nagoya et la 771. Voilà, on va faire un essai. 1, 2, 3 tests, est-ce que tu m'entends là pour un autre test? ENA 771? Oui, 57 toujours. Ouais, il monte jamais au-dessus de 57 ton appareil? Si, si, mais c'est très rare. Ouais, bah ouais, c'est rare, mais bizarre. Bon, bah voilà, merci pour les tests. Hein. Mais bon, ton appareil, le SP est un peu light. Hein. Ah, il y a une pointe qui est arrivée à 58 là. Ah, une pointe qui est arrivée à 58, bah après, c'est pareil, ça dépend comment je mets. Si je lève légèrement, je lève, voilà, là j'ai levé de 10 cm, bah là j'ai levé de 20 cm, ça passe comment là maintenant? À fond. À fond, tu vois, j'ai levé de 20 cm à peine, tu vois, donc bon, c'est pour ça que les tests, c'est. Poser même sur le sol, mais je suis à côté, ça, poser sur un truc plat, même à côté, il peut avoir des influences, donc ouais, bon, c'est pas grave. Bon, la Nagoya fonctionne bien, la finale.